Allez, ça tout le monde, c'est Azuric Perassi, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 230 de notre aventure 100% sur The Legend of Zelda Breath of the Wild Amon Normal. J'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part les amis, je vais très bien, souvenez-vous de l'épisode précédent, on s'était tout simplement, on avait exploré un petit peu la mer des eaux du dragon et également le contour, on avait continué le cratère d'Orlio, et du coup les amis, on avait récupéré pas mal de noix Korogu, si je dis pas de conneries, on en avait récupéré au moins 4, voire peut-être même 5. Mais j'en suis pas réellement sûr quant sur le nombre exact. Et donc aujourd'hui, bah, écoutez, on va continuer l'exploration de cette zone avec du coup bah, la zone qui est tout simplement là. Et puis après, on va explorer le monde Kanfu. Et si par hasard on a du temps, on ira voir un petit peu ce que dit le personnage qui est ici là, pour Revali ou quoi que ce soit. Donc voilà. Par contre, on va pas les buter. Hein. Moi, je veux pas buter les animaux dans ce jeu. Je trouve ça vraiment trop cruel. Et vous savez quoi? On va débuter par une noix Korogu. Et surtout, d'abord, en premier, par un coffre. Mais on va débuter par une noix Korogu. Comme ça, au moins, ça sera fait. Ombre rubis brut, supérieure minerie des rues, d'une grande valeur marchande, abriterait la puissance de la flamme. Voilà. Et on va débuter, du coup, par une noix Korogu aujourd'hui. Alors, par contre, il me faudrait changer juste l'arc. On va prendre cet arc de merde. Non, mais laissez-moi tranquille. Oh, oh! Glace. Ok. Tu me fais pas de mal, toi. Ok. Une. Deux. Et trois. Et voilà. Bon, il aurait été easy. Non, ni de ça, tu m'as trouvé Noa Korogu. Cette petite nia que vous êtes née un Korogu, ça peut faire 1000, pas 80. Beaucoup par très bonheur. À la ravaillure. Voilà, première Noa Korogu, enfin, Korogu de l'épisode. Ça sauve l'honneur de l'épisode, hein, on va dire. Donc les amis, on va continuer d'explorer cette immense zone. Putain, la créature divine, elle est magnifique. Honnêtement, je sais pas s'il y a quelqu'un qui en a fait une furie, mais what the fuck. Hein. Elle est vraiment magnifique. Hein. Elle est d'une dinguerie. Alors par contre, j'aimerais juste... Ah, comme... Parce que quand je vois la hauteur du truc, je me dis, bon, non, ça va jamais passer. Je veux bien être optimiste, mais des fois... Si on avait encore plus de jauge d'endurance, à la limite, mais là... Oh putain, il pleut. Il pleut, non, mais c'est une blague. Bon, on fait comment pour monter? On en a une deuxième. Hein. C'est là, c'est pas pour rien. Hein. Voilà. Putain, il pleuvait pile au pire moment, quoi. Non, mais vraiment. Sérieusement, quoi. Non, mais fais pas de mal. Voilà, moi je te fais pas de mal. Je fais pas de mal aux animaux dans le jeu, moi. Donc, ah, moi je suis désolé, ça me fait trop mal au cœur. Encore une fois, les gens me disent que oui, mais le problème c'est que ça me fait trop mal au cœur dans le jeu. Je peux pas me buter un cerf ou quoi que ce soit. C'est Nintendo, c'est la faute de Nintendo. Les avoir rendus trop réalistes, c'est leur faute. Hein. C'est pas de ma faute. Vous avez qu'à dire à Nintendo de les rendre un peu moins réalistes. Hein. Écoutez, que voulez-vous? Moi, perso, ça me fait trop mal au cœur, donc du coup, je ne les buterai pas. C'est comme ça. Bon, par contre, la chauve-souris de classe. Oh, putain. Non, mais quelle est cette... Oh, mais tu me fais chier, toi. Putain. Il m'a baisé, quoi, s'il vous plaît. Oh, mais tu me... Oh, mais c'est bon, vas-y. Il me pète les couilles, déjà. Ah là là. Alors, je veux juste prendre en photo cette chauve-souris de glace. Merci. L'entrée triquée dans l'encyclopédie, chauve-souris de glace. Vas-y, encore un peu plus. Vas-y, ouais, ça prend ouf. C'est beaucoup mieux. Elle est beaucoup plus proche. Ah. No. En bon brut, et vas-y. Dis-moi qu'il y a un truc intéressant là-dedans. Oh oui, oh, le méga jackpot. Le méga jackpot. Non, mais vraiment. Ready. C'est trop beau, ces animaux, en plus. Comment voulez-vous les buter, quoi? Non, mais sérieusement, quoi. Eh, il y a un rocher, là. Et sanctuaire à proximité, on se rapproche de ce fameux sanctuaire là. Évidemment. Y'a quoi là-dedans?
Oh my god, c'est la richesse incarnée ici. Oh, c'est la richesse incarnée. Ouais, bien gentil qu'ils disent qu'il y a le sanctuaire, mais je ne le vois pas, ton putain de sanctuaire de merde. Y a pas une entrée pour aller dans le sanctuaire? Mais je vois pas comment on peut y aller, hein. Honnêtement, ce sanctuaire, je vois pas du tout comment on peut y aller. Il a enfoncé à un endroit, what are you doing, quoi, pour y aller, hein. Non, 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 non. Non, 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 tombe pas, merci. Y a bien un endroit qui permet d'y aller quand même, non? Non, mais c'est une dinguerie. Oui, il est là-bas, ce putain de sanctuaire. Mais on fait comment pour y aller? Eh, Lokista. Ah non, c'est poli. Ah, c'est parce qu'il était poli. Ils m'ont baisé sur ça. Ah, c'est méchant. Alors, par contre, on en parle du nombre de rochers à péter d'un coup là. What are you... What? Alors, par contre, j'ai été abruti. Oh! Ok. Attendez, attendez, attendez. Si à ça, c'est pas pour rien. Ils auraient pas mis ça, Nintendo, s'ils auraient eu ça. Je suis désolé, mais Nintendo aurait pas mis ça. Alors, en fait, il faut vraiment qu'on essaie d'y aller dans ce putain de sanctuaire. Il n'y a pas de cavité. Look! Look! Je crois qu'elle est par là, l'entrée, c'est à des torches comme ça. Dis-moi que toi, tu montes directement là-haut. Ah là, dis-moi que tu montes directement là-haut. Oh putain, évidemment. Oui! Oui! Vers l'infini et l'au-delà! Vite! Notre sanctuaire! Oh putain, si on peut finir la semaine avec un sanctuaire, ça peut être parfait, ça. Oui! C'est par ici, à mon avis. Oh, what the fuck, c'est très lugubre. Oh. Attendez, mais on est où là? Mais attendez, mais on est où là? All is okay, all is about. Attendez, mais on peut vraiment y aller là-bas? Oui, on peut vraiment y aller. Attendez, mais oh, ce qu'on doit faire pour aller pour arriver au sanctuaire? Mais il est pas là. Ah si! Notre sanctuaire! Oh non non non, tu me baiseras pas toi. Oh con que je te dis que tu me baiseras pas, je te le dis. Alors là, je te le dis, quitte à user une flèche pour rien. Deux flèches pour rien, mais. Je suis désolé les gars, mais non hein. Oh tu me baiseras pas. Sanctuaire de Kamirai. Oh de Kamarai plutôt. Ok. Ok. C'est très lugubre comme zone, putain. Le sanctuaire de Kamayahi. Pourquoi pas? Allez, go! Allez! Notre sanctuaire! Depuis longtemps! Oh my god! Enfin, depuis longtemps, en tout cas, depuis pas mal d'épisodes. Ah, là, ça fait plaisir. Là, c'est vraiment la semaine parfaite, cette semaine. Allez, que ce soit en termes de collectible et tout, what are you doing? Bon, du coup, on explorera peut-être le Mont Kanfu plus tard, hein. Bon, ben... Oh, 300. Wow. 344. Korok Seed. Look at that. Look. Ok, alors c'est un sanctuaire d'énigmes. Toi qui as pénétré ce sanctuaire, Kamarai te met à l'épreuve au nom de la déesse Ilia. Répréparation psychologique, sanctuaire de Kamarai. Préparation psychologique. Théma, le nom du truc, quoi. Oh my god, ok. Alors, pourquoi pas? Ah, d'accord. Merci. Ah! Je vois pourquoi psychologique. Oh!
Oh putain, non! Des trucs. Oh putain! Ah d'ailleurs, ça fait très rappeler Mario 3D World plus Bowser Fury, non? Darlez-vous de ouf! Et Power Explorer Edition. Oh putain, alors là. Alors là. Eh oui, du coup, on a même pas nos pouvoirs du prodige! Y'a quoi qui s'est ouvert? Oh! Ok, 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 ok. Non. Oh. J'avais attendu, hein, c'est pour ça que j'ai esquivé. Oh putain. Ok, alors là, je. Ça, vraiment, j'ai jamais. Ça fait. Comme si. Je crois que j'ai vraiment les let's play, je n'ai aucune souvenir. Alors du coup. Ok, the chest. What? Comment on fait pour récupérer le chest? Attendez, je comprends pas. Test psychologique. Ah mais attendez, mais je suis con. Test psychologique, bah oui. Ah, je viens de comprendre. Oh, je viens de comprendre. En fait, les éléments. Et oui, les éléments, c'est psychologique aussi. Oh putain, je viens de comprendre, c'est bon. 10 flèches explosives. What? Ces flèches sont redoutables contre les monstres. La pointe enveloppée d'une poutre qui explose dans l'impact. Elle inflige de gros dégâts aux alentours. Oh putain, on en a 95. Non, not five. Combien? Ok, on n'a pas tous les coffres. Hein. Ok. Next round. Ok. Oh, mais c'est des malades. C'est quoi ce screamer de merde? Putain. Ah, mais ils sont débiles aussi. Mais pourquoi, putain, je joue à Breath of the Wild, je joue pas à Resident Evil. Ils sont cons. Bon, on a vu, si à ça, c'est pas pour rien. Si on peut se le prendre. D'ailleurs, cette boule, elle était pas... Elle était chez Vamedo aussi, hein. On est bien d'accord, hein. Par contre, je suis désolé, moi, on me l'a donné, je joue avec, hein. J'ai juré, je joue avec, hein. Oh, oh, j'ai détruit des trucs sans vouloir. C'est quoi ce truc? Attendez. Oh, look. Bon, par contre, attendez, il faut, on va la cogner pour éviter qu'elle roule. Attendez, faut pas non plus qu'elle tombe dans le vide. Ça serait un petit peu dommage, voilà. Please, thank. Oh, 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 putain. Je crois que Julie a la frame parfaite. Hein. Non. My chest. My chest. Oh, putain. Thank. Diamant brut, le plus précieux minerai d'Hyrule est d'un tel éclat qu'il ravit le cœur de ceux qui le trouvent depuis les temps anciens, mais aussi d'une valeur marchande considérable. Ok, pourquoi pas, donc là il y a un troisième coffre. Putain, en fait il y en a, c'est ouf. Hein. Viens, viens petit, merci, merci. Cœur antique, fruit de technologie ancienne aujourd'hui disparue, ce composant servirait d'une source d'énergie aux machines antiques, elle d'une valeur inestimable pour les savants. Ok, on a tous les coffres. Great. On va la prendre. Ok, non. On va passer en premier. On va quand même la prendre parce qu'on sait jamais. On en aura peut-être besoin. S'il nous la donne, c'est que c'est pas pour rien. Celle-là en métal, c'est pas pour rien. Ça veut dire qu'on peut la prendre certainement. Ok, je sais pourquoi. Bon, ben, je sais pourquoi, à quoi elle aurait servi. Allez, on pousse, on pousse, on pousse. Oh, oh. Ok, d'accord, je viens de comprendre ce qu'il faut faire. Alors, je suis pas sûr de... Putain, oh my god. Ça va, on n'a pas non plus trop souffert. Ça va, on n'a pas non plus trop souffert. Oh, mais mon dieu, ça ne s'arrête pas! Oh! Tu restes là. Vite! Passe! Aïe, aïe, aïe. Vite! Oh my god. Oui! Et voilà, on l'a fini! Il faut s'applaudir, hein. On l'a fini! En triomphant de l'épreuve, tu as prouvé que tu étais digne du titre de héros. Au nom de la déesse Ilia, reçois l'emblème du triomphe. J'aime bien dire ça à chaque fois.
Et encore, on n'a pas fini parce qu'on a une centaine de sanctuaires encore. Emblème du triomphe, ce symbole de tourisme n'est accordé qu'à ceux qui ont triomphé d'une épreuve. Et voilà. Mon devoir est désormais accompli. Puisse la déesse Ilia te protéger dans ta quête. C'est trop stylé. Avec le guide Biscosia. C'est le guide Biscosia que vous voyez là. Ah oui. Le fameux Monk. M-O-N-K. Non, Monka. Il me semble en italien. Si je dis pas de conneries. Oh my god. Bon ben voilà. Oh ben il ne reste plus que le Monk en fou, hein. Et après il y aura certains... Enfin évidemment le village Piaf autour, mais... Est-ce qu'on finirait pas par parler au mec du village Piaf? On va finir par parler au mec du village Piaf, comme ça on explore dans les prochains épisodes le mont Kanfu et le lac, le village Piaf un petit peu autour. Donc finalement on va aller au village Piaf. Si j'arrive à faire le truc des speedrunners là, mais je sais pas comment on le fait. Ah bah d'accord, super. Super, super, super. Bon bah on va se rendre là. Je sais pas, il faut vraiment que je m'entraîne pour le faire. Il faut vraiment que je trouve la combinaison de touches pour réussir à la faire. Genre qu'on peut s'expédier ultra loin. Il faut vraiment que j'y arrive ça, hein. Il faut vraiment que je le découvre. Je sais, je pense peut-être voir un petit... Ouais, je verrai un petit tuto sur internet. Et peut-être une partie en off, enfin vous voyez. Enfin sur une partie que j'aurai démarré moi de mon côté. Justement pour essayer les glitches et tout, ça peut être bien. Bon, par contre, du coup, on doit aller quelque part par là. Alors, est-ce qu'il faut pas revoir le vieux fou, là? What the fuck? Qui est en train de jouir, là? What the heck? Mais what? Où es-tu passé? C'est toi qui appelles? Une quête secondaire. Loki stat. Kill! Où es-tu passé? J'ai cherché Kill partout, impossible de la retrouver. Oh, où a-t-elle bien pu se fourrer? Kill est peut-être parti aux Sœurs de Pierre pour répéter. Mais c'est beaucoup trop loin pour une si petite fille. Oh, je suis si inquiète. Bon ben, on sait où aller. On sait où aller, et c'est une mission. Je pensais une mission de sanctuaire, vu qu'il y a la petite plateforme, et on sait pas comment l'activer. C'est dingue, on a rien, hein. Il me semble qu'on n'a pas de quête secondaire, hein, pour savoir comment activer cette plateforme de merde. Dès là, oui, il me donne rien. Oh, dès là. Théba ! Comment tu vas, mon garçon ? Ah, c'est toi, tu m'as été un grand secours, tu sais, et ta blessure, elle est guérie. Ma femme a bien pris soin de moi, je peux me déplacer seul à présent. D'ailleurs, en parlant de ma femme, elle dit que tu es l'héritier du prodige. Exact. Ah non, ce n'est vraiment pas un secret. Avec ton talent à l'arc et ton habilité en vol, tu peux être que l'hérité d'un prodige. Qu'y a-t-il? Tu as quelque chose à ajouter? Eh ben, ne me dis pas que impossible, tu es le prodige il y a en personne. La bonne blague. Les prodiges ont tous été exterminés par le fléau Ganon il y a 100 ans. Et quand même, bien l'un d'entre eux aurait survécu, ça ne serait plus qu'un vieux croulant à l'heure actuelle. Soit dit en sans vouloir leur manquer de respect. J'ai raconté au chef ce qui est arrivé à Vamedo. Tu devrais aller le voir, il voudra sûrement entendre les détails. Et du coup, madame, ça va? Mon mari m'a tout raconté. Ce qui s'est passé sur la zone d'exercice au vol, ton combat contre Medo. Il m'a aussi dit que Medo est à présent penché au-dessus de notre village et que tout est terminé. Et mon mari est rentré sain et sauf. Aucun mot ni aucun acte ne saurait exprimer toute ma gratitude. Oh, you're welcome, hein. Ça fait plaisir de rendre service. Et donc, du coup, toi. Bonté divine, quel soulagement de te revoir en vie. Tu as réussi à calmer Vamedo, n'est-ce pas? Il suffit de le voir poser au sommet du village pour s'en convaincre. Elle a perdu son aspect menaçant. Si la légende dit vrai, la lumière des créatures divines mettra fin au règne du fléau. Vamedo, devenue la protectrice de notre village, entrera dans la légende à tes côtés. Oh, mais j'ai oublié. Je dois t'offrir une récompense digne de ton exploit. N'hésite pas à te servir de ce coffre. Je ne doute pas une seconde que son contenu puisse se révéler utile. Je n'attendais pas à moins de l'hériter du prodige. Et tu es le vivant portrait du prodigilien qui s'est battu aux côtés du grand Révali il y a 100 ans. Il ne te manque que la lame purificatrice. Si tu te tenais la lame purificatrice, on pourrait te prendre pour lui.
20 mètres d'eau. La lame purificatrice, de base, il faudrait qu'on la fasse. Hein. Et voilà. Et du coup, il y a quoi là-dedans? Arc de l'aigle, 28 de... What de dégâts avec 3x3. On dit que quand le prodige Revali se battait dans les airs avec cet arc d'une grande rareté, il est si rapide que personne ne pouvait rivaliser avec lui. Alors, je suis désolé, du coup. Ah, mais non, on va le garder. On va le laisser là. On le mettra peut-être dans la maison si on peut. Alors, je suis désolé, je vais peut-être faire des folies, mais... Putain, ça coûte trop cher, vos flèches explosives, les gars. Vous pouvez pas brader les bris pour moi, sérieusement. Là, c'est pour une bonne lune de miel, mais... une bonne lune de miel. Par contre, est-ce qu'elle a de nouveau des tenues, l'autre? Oh my god! Elle a des nouveaux tenues? Enfin, des nouvelles tenues? On les a déjà? Antifroid. Ah oui? Bon, ben, écoutez, hein, on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. On est à 21 minutes. Je pense que ça peut être une très très bonne solution. Hein, je pense que ça peut être même qu'une très meilleure solution. Donc dans l'épisode prochain, on partira explorer le mont Khanfu, évidemment. Donc on ira explorer le mont Khanfu dans l'épisode prochain. Et je pense que les amis, on fera peut-être les alentours de l'eau, enfin dans l'eau avec le village, enfin du lac Piaf et tout, peut-être un peu plus tard. Je pense qu'après on partira directement hélico presto en direction de notre putain d'épée divine purificatrice. Mais le problème, je crois qu'il nous faut, si je dis pas de conneries, 13 hertz. Je pense qu'on n'a pas, on en a que seulement 9. Donc je pense qu'il faudrait peut-être attendre un peu. Mais ça serait quand même pas mal d'y accéder un minimum à la lame purificatrice. Qui est, je sais même plus, je crois qu'elle est ici ou ici. Je sais plus. Je sais plus du tout. Sachant que le problème, c'est qu'en fait, il faut quand même débloquer des zones. Hein. Donc de toute manière, vu qu'on est là, on explorera, comme j'ai dit, le mont Khanfu. On a également le centre là de ce truc à explorer, donc on l'explorera en dernier, on débutera à mon avis l'exploration par là. Bah en fait j'étais con parce qu'en fait autant... Attendez, on va s'arrêter pile à l'endroit où on va devoir débuter l'exploration, comme ça on se perd pas dans le prochain épisode. Et ensuite, ben du coup on explorera du coup le côté un peu où il y a vers Mipha, vers le domaine Zora, parce que je sais que Mipha et le domaine Zora est là, merci Hyrule Warriors, l'ère du fléau. Et donc du coup, je pense qu'on ira vers là-bas. Déjà, vu qu'on a également les montagnes un petit peu à explorer. Mais ouais, ça peut être sympa. Ça peut être très sympa. Et donc voilà quoi. Alors par contre, du coup, bon, on fera les quêtes secondaires un peu plus tard, hein, vous me permettrez. Alors c'est par là-bas, donc on y va. Bah attendez, mais on est à côté. On fera la quête secondaire en même temps. Hein, the same time. Hein. On l'a fait, hein. Oui, on l'a fait. C'est bizarre parce que j'avais l'impression que c'était pas au bon endroit. Ben si, ça va. Tac. Voilà. Et après, on va du coup, ouais, on va s'arrêter là, devant ça. Et ensuite, on ira là. Par contre, il faut vraiment qu'on m'explique cette histoire-là, con. Hein. Wahoo! Vous avez eu peur, hein. Bon, à mon avis, ça sera certainement une quête sanctuaire que ça va lancer. Hein. Ça, c'est certain. On ira la voir tout à l'heure. Donc, écoutez, merci de m'avoir suivi pour cet épisode, du coup, numéro 230. Est-ce que vraiment... Oh, j'aimerais bien faire un seul et dernier épisode, mais... Ou je pourrais planquer un épisode 231 dans de ce merdier. Je sais pas. Je sais pas où je pourrais mettre un épisode 231 là-dedans, mais... ouais, non, je pense que ça, on va quand même bien s'arrêter là. On se retrouvera du coup dans l'épisode prochain dans lequel on continuera du coup l'exploration de cette immense zone, surtout de ce côté-là. En même temps, je vais recharger ma batterie de manette. Et ensuite, ben, on partira tout simplement en direction de la montagne de l'Anel, en tout cas, de ce côté, hein, sachant que... Et aussi, excusez-moi, aussi, petite chose, on essayera pour la première fois de battre un Linel. Bon, normalement, il y a Linel qui est proche d'ici, si je dis pas de conneries. Je crois qu'on l'avait marqué d'ailleurs, non? Voilà, il est là, notre Linel. C'est ça, le plateau de Linel. Non. Oui, c'est là. On essayera, tout simplement, de faire ça.
Donc on se téléportera là directement. Pour du coup au moins essayer de battre un, pour la première fois un Linel. Il faudrait un petit peu essayer parce que c'est vrai qu'on l'a jamais fait. Donc ça serait peut-être pas mal de s'y coller un petit peu. Et ensuite ben, on explorera tout simplement les, la chaîne de l'Anel, le mont Ardou, le mont Douillé, la chaîne de la voilà, la péninsule de Raphaël, enfin de Rabel pardon, etc etc, sachant qu'on a ça et après sachant qu'on a également cette zone à faire. Donc voilà, il y a tellement de choses à faire dans ce jeu, c'est un truc de dingue. Et on avait mis une noix, alors ça je pense peut-être une, pour une noix Korogu, je n'en sais rien. Il faudra un petit peu aller voir qu'est-ce que c'est que ce truc. Et du coup voilà, allez d'ici là, portez-vous bien. Et encore merci de m'avoir suivi pour cet épisode. Moi je me serais éclaté à vous le faire honnêtement. Ciao tout le monde, hey, peace. Et aussi, il faudrait également peut-être s'attaquer de temps en temps un petit peu aux quêtes secondaires, parce que c'est vrai qu'on a énormément de quêtes secondaires. Vous avez eu hein, les quêtes secondaires de sanctuaire et tout, what are you doing? Donc il faudrait peut-être faire un petit peu tout ça. Donc je pense que peut-être on essayera peut-être d'en faire quelques-unes à lire avant de s'attaquer peut-être à Mipha. Non, je pense qu'on le fera après Mipha, ça peut être bien. Mais là, je vous avoue qu'en ce moment, j'ai vraiment envie de faire des créatures divines, d'où l'importance de faire ça, comme ça. Et du coup, voilà, et sachant qu'également, il y a également les autres missions, sachant qu'on a toujours les missions X qu'on n'a pas encore terminées, hein. Il y en a plein qu'on n'a pas encore terminées, et on a du coup, voilà, les autres trucs à faire également, vous avez eu tous les quêtes qu'on a, qui nous restent à faire, c'est dingue. Et donc, allez, ciao tout le monde, hey, peace, et encore merci de m'avoir suivi pour cet épisode 230 déjà, la 23e dizaine pour ce Let's Play.